Par cette cérémonie, le Conseil des collectivités territoriales va remettre 200 machines à coudre à des associations féminines des collectivités locales du Burkina. À travers la section pays du Refela, et elle traduit la volonté du CCT UEMOA de renforcer ses actions dans le cadre des trois programmes qu'il met en œuvre, à savoir le PCTL, qui est le programme de coopération transfrontalière, le programme de décentralisation financière, le PRADEF, et le programme d'appui à la décentralisation dans notre espace communautaire, le PRADEU. C'est assurément une excellente manière concrète et d'être très utile à nos populations et de clore ces trois belles journées de travaux que nous avons passées ensemble. Nous avons voulu jouer notre partition en tant qu'élus locaux, puisqu'avec la politique de proximité que nous menons en tant que maire, en tant que président de département, en tant que président de région, nous voyons la souffrance de nos mamans, la souffrance de nos sœurs, la souffrance de nos femmes qui se battent pour pouvoir avoir une certaine autonomie. Et avec la pandémie à coronavirus que nous avons connue depuis 2020, nous avons pensé qu'en leur offrant des machines à coudre, cela pourrait les aider à s'autonomiser. Mais plus, cela pourrait les aider à produire des masques qui serviraient à la population. Et au-delà des masques, en faire de véritables couturières, parce que ce sont les femmes qui s'habillent le plus. Mais on remarque que ce sont des hommes qui les habillent, parce que ce sont des hommes qui sont la plupart du temps stylistes, couturiers. Et pourquoi ne pas encourager nos sœurs, nos femmes à apprendre le métier de couturier? Et c'est un des objectifs de l'offre de ces machines à coudre. Nous disons merci aux partenaires qui nous ont accompagnés. C'est un projet que nous avons élaboré avec l'appui de Beta Concept depuis mars 2020. Et comme ça traînait vraiment, on avait perdu espoir. Mais voilà qu'on vient de recevoir ce magnifique cadeau aujourd'hui. Nous disons merci aux partenaires et nous leur garantissons un bon usage de ce matériel-là. Parce qu'on va utiliser d'abord pour la formation des autres membres. On va faire la formation en couture, on va produire les cache-nez avec pain traditionnel.